Alors bonjour à Nathalie Chapiro, on retrouve effectivement une de nos expertes, Nathalie Chapiro, le docteur Nathalie Chapiro, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vous entends pas bien, est-ce que c'est un problème? Ben, peut-être que vous avez trop bu d'alcool, Ah bah Jacques. c'est gentil, merci, bah voilà. Alors, en fait, non, il y a des études qui ont montré que l'abus d'alcool pouvait entraîner une baisse de l'audition. Et ça m'a. Alors, c'est pas risible, évidemment. On parle beaucoup d'alcool en ce moment, de vin, d'étiquetage. Mais vous savez, on a aussi l'image. Moi, j'ai en Bretagne des Bretons qui boivent pas mal. Et on a toujours l'image de leurs femmes qui les appellent. Mais ils vont quand même au bar. Alors, on disait c'était peut-être parce qu'ils sont bornés et qu'ils sont de mauvaise foi. En fait, c'est peut-être tout simplement qu'ils n'entendent pas bien. Alors, pourquoi? Ben, en fait. Il y a eu des études qui ont montré que sur le long terme, hein, on ne parle pas du verre ponctuel, sur le long terme, l'alcool avait des effets délétères à la fois sur les nerfs auditifs et sur l'aire auditive cérébrale. Alors qu'est-ce qui se passe? Les chercheurs ont fait des examens, hein, pour mesurer un peu l'activité électrique au niveau des voies nerveuses quand il y a des stimuli auditifs. Et ils sont aperçus bah, que les signaux auditifs qui étaient envoyés au cerveau depuis les oreilles internes, ils n'étaient pas transformés correctement en son. En gros, quand on parle, bah, la parole n'est pas bien transmise dans l'aire cérébrale, parce qu'il peut y avoir cette atteinte auditive. Et non seulement il y a cette atteinte du nerf, mais en plus, l'alcool peut provoquer des lésions de l'oreille interne, parce que tout simplement, bah, l'alcool, c'est comme certains médicaments ototoxiques, ça endommage les petites cellules ciliées qui sont dans l'oreille interne, et ces cellules ciliées, elles ne sont pas remplacées, et on ne sait pas les remplacer. Donc, ça pourrait gêner notamment la capacité à entendre les basses fréquences. Donc, bah, si j'ai qu'un conseil, évidemment, ça serait de pas boire de façon exagérée et surtout pas sur le long terme. Et si c'est le cas, si vous apercevez qu'un proche, bah, qui boit un peu trop ne vous entend pas quand vous l'appelez et quand vous lui recommandez de ne pas aller au bar, bah, faites quand même tester son audition, on ne sait jamais. Alors, ce qui veut dire que quand, si on n'entend pas alors que l'on boit, c'est qu'on a plutôt un problème de foie que de mauvaise foi. Peut-être. Bon, dites donc, je me suis pas battu l'autre soir en sortant d'un café, mais j'ai reçu une balle et j'ai eu un œil au beurre noir. Et mon médecin m'a dit, bah oui, mais c'est pas si anodin que ça. Et oui, non, c'est pas si anodin, et en fait, tout dépend de comment ça s'est passé. Parce que bon, la région, un choc dans la région de l'œil, c'est toujours un petit peu impressionnant. Et puis, on va focaliser sur cet œil au beurre noir. En gros, c'est quoi un œil au beurre noir? C'est un hématome qui va se former avec de l'œdème et une coloration bleuâtre qui peu à peu va jaunir et verdir. Mais pendant qu'on regarde cette coloration, on ne s'inquiète pas toujours de l'œil, mais l'œil aussi, il a pu être touché. C'est-à-dire que plus le choc a été violent, plus il y a un risque pour l'œil, mais surtout, plus le choc a été violent par un objet de petite taille qui a pu toucher l'œil directement et qui n'a pas été arrêté par l'orbite. Et c'est ça le risque. C'est-à-dire qu'en gros, si vous recevez un gros ballon dans l'œil, et qu'il a été arrêté par le nez, l'orbite, etc., le risque est moindre que si vous recevez une petite balle de golf ou De un stylo, tennis. ou ce que c'est, hein, un objet de petite taille, ou qu'on vous a cogné avec une grosse bague. Et là, du coup, c'est pas arrêté par l'orbite, et l'œil a pris ça de plein fouet. Alors, il y a des fois, il y a des signes d'alarme quand même qu'il faut pas négliger, c'est si vous avez très mal dans l'œil, ou une vision trouble, ou une baisse de la vision. Ça mérite immédiatement une consultation chez l'ophtalmologue. C'est une urgence. Alors, si votre ophtalmo ne peut pas vous recevoir en ville, parce que des fois, enfin, souvent, ils sont débordés, sachez qu'il y a normalement un ophtalmologue de garde dans tous les centres hospitaliers universitaires. Et si vous êtes trop loin, vous pouvez aussi appeler le centre 15. Ça ne veut pas dire qu'on va déplacer le SAMU, mais vous leur expliquez ce qui vous arrive. Et eux ont la liste des hôpitaux où vous allez pouvoir trouver et consulter un ophtalmologue en urgence. Alors des fois, ces troubles de la vision, ils sont pas immédiats, mais ils arrivent de façon un peu retardée. Donc les gens ne font pas forcément le rapport. Mais si dans les jours qui suivent, vous avez des difficultés à supporter la lumière ou une vision qui se trouble, là encore, il faut mieux consulter rapidement parce qu'il a pu se passer des choses au niveau des structures internes de l'œil. Donc ça ne se voit pas forcément, mais il y a pu avoir des lésions graves à l'intérieur et des hémorragies qui se forment et des décollements de rétine, pourquoi pas, etc.
Donc, en attendant de voir le médecin, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous gardez votre œil fermé. Si possible, vous mettez une compresse stérile dessus. Vous restez à jeun parce qu'on ne sait pas si vous allez devoir être opéré ou pas. Et vous consultez en urgence. Pour ce qui est du cocard, s'il n'y a rien au niveau visuel, je veux dire, de ce côté-là, tout est parfait. Vous avez juste reçu, on va dire, un énorme ballon qui a été complètement amorti par l'orbite et puis votre œil est parfait. Et ben, pour le cocard, faites quand même attention, parce qu'on dit toujours sur un hématome, faut poser une vessie de glace. Oui, mais faut pas que la vessie de glace, elle touche l'œil, parce que sinon, ça va entraîner des gelures des tissus de l'œil. Ça, c'est très mauvais. Là, c'est pour le coup, c'est vous qui allez faire un problème. Donc, faites bien attention. Pareil, si vous mettez de la crème à l'arnica, faites très attention qu'elle soit appliquée à distance. Et ben voilà, et on peut dire aussi que attention, c'est encore plus si on est myope, parce que la courbure de l'œil facilite, je crois, les décollements de la rétine, c'est ça? Oui, mais là c'est vraiment aussi une question de taille de violence et de taille de l'objet. Hein. Si vous avez reçu, je sais pas moi, un stylo dans l'œil violemment parce que votre voisin a fait un geste brusque et vous l'a balancé dans l'œil sans faire exprès, c'est hôpital direct parce que c'est très violent, ça n'a pas été arrêté par l'orbite, etc. Alors, Nathalie, maintenant, on va changer de sujet complètement. Vous allez me dire, attention pour les femmes enceintes, quelquefois, il peut y avoir un risque qu'on ne connaît pas toujours. Oui, on parle beaucoup, les femmes enceintes reçoivent beaucoup d'informations sur le tabac, l'alcool, certains virus, c'est normal. Mais il y a un virus dont on ne parle pas très souvent, c'est le cytomégalovirus, qui est quand même la deuxième cause de troubles auditifs chez l'enfant, de surdité hein, de l'enfant. Et le truc, c'est que si l'enfant a été infecté pendant la grossesse et qu'il a cette surdité, elle n'est pas forcément présente dès la naissance, ce qui fait qu'il peut avoir un examen néonatal normal, et déclarer cette surdité ou ces troubles auditifs un peu plus tard, et bon, si c'est pas dépisté à temps, ça peut quand même retentir sur l'apprentissage du langage, etc. Donc c'est quand même pas rien. Mais alors comment la maman se rend compte qu'elle a un risque de cytomégalovirus, comme vous dites? Alors en fait, ce cytomégalovirus est très répandu chez les enfants de 0 à 3 ans. Et donc ce sont eux qui peuvent transmettre ce virus. Et ce qui se passe du coup, bah, c'est que les mamans qui ont déjà un enfant en bas âge, ou alors les femmes qui travaillent dans le milieu de la crèche ou qui sont assistantes maternelles, etc., sont plus à risque. Mais ça peut être aussi leur conjoint qui travaille dans ce milieu et qui peut leur transmettre. Donc c'est pour ça qu'il va falloir prendre des mesures, alors pour la femme enceinte, pour les proches, et si possible pour tout le monde, ça serait pas mal. Parce que comment on peut réduire drastiquement le risque d'avoir un cytomégalovirus? C'est des règles d'hygiène qui sont finalement très simples et qui sont des règles d'hygiène de bon sens qui devraient être rappelées. Alors, tout simplement, à ne pas faire, mais vous allez me dire qui fait ça, malheureusement ça se voit, il faut pas embrasser son enfant sur la bouche. Je parle des petits, des 0-3 ans. Hein. Parce qu'il y a un risque. Ne pas lui essuyer son nez, ses larmes avec les mains sous prétexte qu'on n'a pas de mouchoir sous la main. Ne pas utiliser sa cuillère pour manger, son verre pour boire, sa brosse à dents parce qu'on n'en a pas d'autre. Il faut aussi bien bien se laver les mains à chaque fois avec du savon quand on le change, quand on lui donne le bain, après lui avoir donné à manger, et même ranger ses jouets parce qu'on sait qu'un petit, il suce les jouets, donc il y a de la salive qui vient dessus. Et en fait, le cytomégalovirus, il se transmet par les sécrétions corporelles, c'est-à-dire le sang, la salive, les larmes, les urines, les selles, les sécrétions génitales. Alors, vous pouvez bien sûr avoir beaucoup de ces informations auprès des généralistes, des gynécologues, des obstétriciens et même des sages-femmes. Ce qui est dommage, c'est que la consultation prénuptiale, à l'époque, c'était une consultation que tous les jeunes couples avaient avant le mariage et donc qui arrivait en amont des grossesses en général, était un moyen d'informer sur ce sujet. Maintenant, cette consultation a disparu. Le mariage, je ne sais pas si elle en perd de vitesse, mais il y a aussi beaucoup de passes. Et du coup, les médecins n'ont pas forcément le temps de passer l'information aux femmes qui parlent d'un désir de grossesse. Et du coup, ils ont ces femmes plutôt quand elles arrivent et qu'elles sont déjà enceintes. Or, le cytomégalovirus, il fait plus de dégâts en cas d'infection quand elle arrive en début de grossesse. Heureusement, il a plus de mal à passer au fœtus en début de grossesse qu'en fin de grossesse. Voilà. Et donc, c'est un risque bête qui est tellement facile
à éviter avec ces mesures d'hygiène qui seraient dommage de ne pas les faire, de ne pas les suivre. Eh bien, écoutez, merci Nathalie. Alors, grâce à vous, on ne boit plus, on se lave bien les mains et on évite les ballons. Ben voilà, c'est tout simple. Merci encore et à un mois prochain, Bonne Nathalie. journée. Au revoir. Au revoir.